Avec le stress aussi, je sais même plus trop ce que j'ai écrit. Bah, c'était un texte de Sénèque, donc bah ça parlait. Oh, je sais même plus avec le stress aussi. Après 4 heures sur la copie, les futurs bacheliers du Finistère sont en pleine décompression. Ce jeudi, ils passaient l'épreuve de philosophie, la première épreuve écrite du baccalauréat. Pour chaque série, 3 sujets au choix. Pour les littéraires, voici les sujets. Peut-on prouver une hypothèse scientifique? L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? Ou expliquer un extrait du Gai Savoir de Nietzsche? Moi, j'ai pris le premier sujet de dissertation, donc c'est peut-on trouver une hypothèse scientifique? Pourtant, je suis en L, donc c'est un peu bizarre. Le texte de Nietzsche, donc qui portait plus sur l'homme dans la société et l'aliénation au travail. Je pense que le plus dur est passé. Hein. Étant donné qu'on est en L, la philo, c'est notre plus gros coef, donc ouais, pour le reste, ça devrait aller. Pour les scientifiques, d'autres thématiques sur la culture ou la raison. L'explication de texte se basait sur un extrait des Pensées de Pascal. Est-ce que la culture dénature l'homme? Je préférais ne pas citer des auteurs, enfin je préférais pas se faire de citation parce que j'étais pas sûr de moi au niveau de ça. Donc je me suis plus basé sur mon cours vu que en plus je venais de le lire la veille donc c'est le truc que je connaissais le mieux quoi. Pour les lycéens en série économique et sociale, il fallait répondre à des questions sur la liberté ou l'art et la science. La liberté menace-t-elle l'égalité? Et bah, j'ai mis que oui, en quelque sorte, et non. Enfin voilà, thèse, antithèse, synthèse. Les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats à partir du 5 juillet prochain.